Enfin, il donne de la voix avec un espoir, décrocher un rôle dans une comédie musicale consacrée aux chansons de Michel Sardou. Le casting a débuté hier à Lille Grand Palais et vous le verrez, ça envoie. Là aussi, il y a compétition, mais dans un autre genre, décrocher un rôle dans une comédie musicale consacrée à Michel Sardou. C'est l'espoir de très nombreux candidats qui défilent depuis hier au casting organisé à Lille Grand Palais. Si tout va bien, la première du spectacle intitulée « Je vais t'aimer » aura lieu en octobre au Zénith. Yann Fossurier et Jean-Marc Vasco se sont glissés dans les coulisses. À faire flamber des enfers dans tes yeux. Toute la journée au Zénith de Lille, une trentaine d'artistes se sont succédés sur scène pour chanter du Michel Sardou. Tu vois, pied de micro, si jamais t'en veux pas, tu peux. Amandine est venue de Rouzy, près de Maubeuge, pour passer cette audition. La première depuis le confinement de mars dernier. Il y a donc du stress pour cette coach vocale de 35 ans, avec cette opportunité unique d'intégrer la troupe de la future comédie musicale « Je vais t'aimer ». C'est un artiste que mes parents écoutaient beaucoup. Donc c'est vrai que même si on n'a pas écouté Sardou, on a entendu Sardou à un moment donné et je crois que aujourd'hui n'importe qui est capable de citer un titre. On habiterait à l'hôtel. Et parmi tous ces titres, Amandine a choisi Les Vieux Mariés, un tube de 1973. Face à elle, le producteur et le directeur de casting en quête d'une quinzaine de voix pour leur spectacle. Dans un joli coin du midi. On a présélectionné, on a dû avoir, je sais pas, 2000, à peu près 2000 réponses, ce qui est énorme, surtout pour un casting en province. Quand on est fin bourré, on se tire débordé sur la. On recherche des interprètes qui ont entre 25 et 35 ans, puisque ce sont des acteurs que l'on va voir vieillir tout au long du spectacle, donc on doit pouvoir les métamorphoser, les transformer, et on veut de vrais interprètes. En fait, l'idée, c'est de pouvoir chanter ces chansons de Sardou qui sont extrêmement compliqué à chanter. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants. Révélé par les émissions Prodige et The Voice, Jacob, jeune chanteur lillois de 17 ans, espère avoir tapé dans l'œil de la production. Des nuages noirs. Croise les doigts. Quand on a 17 ans, on connaît bien Sardou. Alors, quand on a 17 ans, généralement, je dirais non. Mais moi, je suis un amoureux de la chanson française. Je pense qu'on a un très, très beau répertoire de chansons françaises. Il y a Sardou, il y a Aznavour, il y a Gainsbourg, il y a, c'est les grands, quoi. Je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. 5 artistes ont été retenus hier pour la suite des auditions en studio. La troupe restera en résidence au Zénith de Lille jusqu'aux premières représentations en public. Elles sont déjà programmées du 21 au 23 octobre prochain.